Tu es pas trop fatigué avec ça? Justement, je me demandais si c'était pas trop lourd. Tu pourrais peut-être m'aider pour porter tout le reste, non? Je voudrais bien vous aider, mais j'ai mal à l'épaule et ça a l'air lourd. Allons, fais un petit effort, et c'est tout de même. Je ferai mon possible. Mes hommages, mademoiselle Marlowe. Belle journée, n'est-ce pas? Belle journée, en effet. Je me faisais justement la réflexion que la seule chose qui puisse surpasser une belle journée, c'est bien la rencontre d'une jolie femme. Et vous voilà pour me le prouver. Comme d'habitude, vous débitez les mensonges que les femmes aiment entendre. Ça n'engage à rien. Il connaît toutes les ficelles. Comment vont vos affaires? Oh, très bien, merci. Vous savez, si jamais vous aviez besoin d'un employé, je me propose. Comme couturière. Pauvre type. Mais que font-ils par ici? Ils sont venus ici pour réparer les routes, je crois. Et regarde un peu là-bas. Ça, c'est une chouette moule. Oh mon Dieu, moi j'en ai la gorge sèche, rien qu'à penser un peu à ce que j'y ferai. Allons, ça suffit, allons, restez assis. Restez tranquille. Assis, vous m'entendez? Le tour par l'autre côté. Reste tranquille, mon vieux, la promenade est finie. Si vous continuez, vous allez le tuer. Et alors? Ça ne vous regarde pas, vous. Et lui, qu'est-ce qu'il essayait de faire, hein? Emmène-le d'ici. Allez, avance. Avance. Et je t'ai dit d'avancer, t'as pas compris? Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? On va le mettre au four pendant 2 ou 3 jours. Ça lui fera un peu suer sa méchanceté pendant ce temps-là. Et ça le changera beaucoup. Monsieur, je suis le gardien de ce type, Matthew Cordell, depuis à peu près 11 ans. Et sa seule façon de changer, c'est de devenir pire. Depuis 11 ans? Il ne me paraît pas avoir plus de 26 ou 27 ans. À peu près, oui. Vous voulez dire qu'il a été mis en prison quand il avait 15 ans à peine? Oui, c'est à peu près ça. Et il nous arrivait droit d'un orphelinat. Je vous remercie pour nous avoir aidés. C'est tout ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je voudrais bien avoir du jeu. Et gagner au moins une partie. J'ai encore rien vu, c'est tout. Je laisse ma place si vous voulez jouer. Vous ne tentez pas votre chance? Non, pas ce soir. Je vais aller faire un tour en ville. Mais avec moi? Non, non, merci. C'est drôle, vous avez été bizarre toute la journée. Qu'est-ce qui va pas? Ce prisonnier que nous avons repris ce matin. Oui? Quelle chance avait-il de s'en tirer, à ton avis? Aucune. Il était perdant dès le départ. Et il a essayé malgré tout. Tout était contre lui, mais il a essayé quand même. C'était la pire idiotie à faire, n'est-ce pas? Il aurait pu être tué. Ça ne semble pas lui importer beaucoup.
Ouais, quand un homme doit vivre comme ses prisonniers le font, la mort même lui paraît préférable. Allez, venez donc faire un tour en ville, ça vous changera les idées. Vas-y tout seul, je te verrai demain matin. Entendu. Vous plaît. Oh, je l'adore. Il a la bouche douce comme une bulle de savon. Il est à vous maintenant. Traitez-le bien et il vous rendra l'appareil. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide, Betsy? Personne ne doit toucher à ce cheval sauf moi, ou il aura affaire à moi. Et tu sais ce que ça veut dire. Alors, juge, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous mène en ville? Vous savez, je peux. Oui, ben, je crois que non, en effet. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. J'ai fait de la place pour ranger tout ce que j'ai ramené. Quand pensez-vous être de retour? Je vous télégraphierai la date depuis Colterville. Vous pensez être absent longtemps? 3-4 jours, pourquoi? Je pourrais peut-être aller voir monsieur Harris à la prison, non? Oui, c'est possible, pourquoi? Ce prisonnier dont je vous ai parlé, Matthew Cordell. Je voudrais savoir ce qu'un enfant de 15 ans a bien pu faire pour être mis en prison et y rester 11 ans. Je vais tâcher de me renseigner. Merci, monsieur le juge. Libéré sur parole. Oui, je devrais vous remercier. Vous et votre comité m'avez obtenu presque tout ce que j'avais demandé. Patience, Fred, ce n'est que le commencement. Vous allez voir. La première victoire, ça a été de vous faire nommer directeur, mais il faut bien ramper avant de savoir marcher. Pourquoi? Le gouvernement préfère dépenser plus d'argent à améliorer les élevages qu'à aider les prisonniers à se réhabiliter. Mais c'est qu'il pense probablement que chacun profitera à la fin d'une meilleure qualité de viande sur le marché. Les fonds qu'ils dépensent pour les prisonniers leur semblent des frais inutiles. Un fusil, un fouet et une cage n'ont jamais rendu un homme meilleur, si vous voulez mon avis. Maintenant, au moins, vous pouvez les libérer sur parole vous-même. C'est déjà un grand pas de fait. Oui, un pas, mais la route est longue. Et quand pensez-vous pouvoir en libérer un sur parole? Dès que j'aurai pu faire une liste des prisonniers qui me semblent le mériter. Ce n'est pas facile. Ils ne me montrent qu'un visage. Je sais très peu de choses, eux. Qu'est-ce que vous pensez d'un prisonnier nommé Cordell, dites-moi? Cordell? Pourquoi? Vous le savez, mon contremaître avait aidé à le reprendre il y a quelques jours. Ah oui, on m'a fait un rapport sur cet incident. Tenez, voici son dossier. Il vous dira plus que je ne puis le faire. Violence et incitation à la révolte. Tentative d'évasion. Attaque d'un gardien. Une autre tentative d'évasion. Matthew Cordell a été déposé à la porte d'un orphelinat quand il avait un jour. Il est resté à l'orphelinat jusqu'à 15 ans et puis on nous l'a envoyé. Vous voulez dire qu'il n'est jamais sorti d'une prison ou d'une institution de l'État de toute sa vie? Et probablement il n'en sortira jamais. Son dossier vous montre bien son avenir. Il a 100 chances contre une de mourir en prison. Et sans jamais avoir su ce que c'était que la liberté. Le seul monde qu'il connaît, c'est celui des prisons. Si je le libérais... Ce serait comme si je lâchais une bête sauvage. Oh, qui peut le savoir? S'il a vécu comme une bête sauvage, n'est-ce pas parce qu'on l'y a forcé? Je pense que s'il sortait de prison, ça lui donnerait une chance, peut-être. Peut-être. Et c'est bien là qu'est le mal. Il n'a personne, il est tout seul. Oui, mais sa chance qu'il ait, qui voudrait lui donner cette chance? Vous, peut-être? Et vous? Vous accepteriez de le prendre sous votre responsabilité? Attendez une minute, Fred. Je voulais seulement... C'est ça votre réponse, juge? Oh, il est facile de parler avec de grands mots, de défendre la dignité de l'homme, mais c'est autre chose de le mettre en pratique. Depuis des années, j'ai étudié Cordell. Même avec son dossier, je persiste à penser que s'il en avait la possibilité, il pourrait changer, s'il pouvait trouver quelqu'un pour l'aider. Et s'il ne pouvait pas changer? Ben, on ne peut le dire tant qu'on ne lui a pas donné sa chance.
Vous savez que si nous nous trompons, ça veut dire que tout est fini pour vous. Votre carrière, votre travail, votre avenir. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on essaie? Il est au mitard en ce moment. Vous voulez lui parler? Oui. Sortez-le de là. Il doit y rester encore une journée. Non, ouvrez. Beck. Ouvre-moi ça. Sors un peu ton copain du four. Je n'aime pas ça. Pas plus que vous, non? Pourquoi n'avez-vous pas encore supprimé ça, Fred? J'avais essayé. J'ai l'intention de recommencer. Je vous en prie, faites-le. Vous aurez mon appui. Vous pourriez le faire venir dans votre bureau. Cordel, venez avec nous. C'est mieux? Je recommencerai. Vous voulez parler maintenant ou attendre encore un moment? Je vous ai dit que je recommencerai. Voici le juge Gart, Cordel. Il a quelques questions à vous poser. J'ai appris beaucoup de choses sur vous par votre dossier, mais je voudrais en savoir davantage. Qu'aviez-vous fait à l'orphelinat pour être envoyé en prison? Le juge est venu spécialement pour vous voir, Cordel. Il peut vous aider si vous voulez. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que quelqu'un peut avoir envie de m'aider? Il pourrait vous aider à sortir de cette prison. Ne vous amusez pas avec moi. Je ne m'amuse pas avec vous. Pourquoi avez-vous été mis en prison? J'ai essayé de tuer quelqu'un. Qui? Un môme. À l'orphelinat. Pourquoi? Il avait cassé un soldat de plomb à moi. C'est pour ça que vous avez voulu le tuer? Vous me l'avez demandé? Je vous ai répondu. Est-ce que vous avez une idée quelconque de vos parents et de votre famille? Non. Mais ma mère était propre et ordonnée. On m'a souvent dit qu'elle m'avait enveloppé dans une couverture bien lavée quand elle m'a déposé à la porte de l'orphelinat. Voyons, si vous sortiez d'ici un jour, qu'est-ce que vous feriez pour vivre honnêtement? Il travaille à la forge de la prison. Il n'y a pas un homme à la ronde qui connaisse les chevaux mieux que Matthew. Pensez-vous qu'on puisse vous employer dans un ranch? Monsieur, je n'ai jamais eu le droit de penser. Seulement celui de faire ce qu'on me disait, rien d'autre. Mais je dirais n'importe quoi, je serais n'importe qui, je ferais n'importe quoi. Si je pouvais enfin sortir d'ici. On va bientôt être à Shiloh. Il y en a à peu près pour 2 heures. Ça vous fait plaisir d'avoir un foyer? Vous savez, M. Harris va avoir du mal à faire admettre votre libération sur parole, mon petit. Vous ne lui avez même pas dit merci en partant.
Je ne l'ai pas remercié pour les 11 ans non plus. Est-ce que vous pouvez arrêter une minute? Oh! N'est-ce pas? Oui. C'est beau à voir. Pas de mur pour vous enfermer ici. Il n'y a aucune raison pour que vous retourniez en prison. Vous pourriez être une raison. Non, pour une année. Après ça, vous deviendrez responsable de votre propre vie. Mais s'il m'arrive pendant cette année de m'asseoir quand vous m'aurez dit de me lever, vous pourrez m'y renvoyer pour le restant de mes jours. Oh, je pourrais, mais si vous agissez normalement comme un être humain, il n'y aura aucun problème. Et comment un être humain normal doit-il agir, juge? Matthew Cordell, un nouveau. Bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir de voir arriver un homme de plus. Parce que ça va nous rendre bien service. Vous voulez que je porte vos bagages dans la maison? Oui, s'il vous plaît. Monsieur le juge. Alors, je suis bien content de vous voir. Cette paperasserie à faire, ça me démolit. Ça me fait pareil à moi. Bon, je crois que vous êtes déjà vu. Pas besoin de vous présenter. Mais il y a une chose que vous devez savoir, Cordell. C'est à lui que vous devez d'avoir été libéré sur parole. Soyez le bienvenu ici. Il a déjà travaillé à la forge. Vous pourrez l'employer à l'atelier de maréchalerie. Bien sûr, si ça vous plaît. Ouais, je ferai ce que vous direz. Très bien, alors c'est d'accord. Vous serez logé, nourri et payé comme vos camarades. Vous avez quelque chose à demander? Non. Venez au dortoir, vous installer. Cordell, si vous avez le moindre ennui, venez me le dire. Je ne fais jamais attention où je vais, moi. Betsy Garth, Matthew Cordell. Il vient travailler avec nous. Je suis bien heureuse de vous voir, monsieur. Vous voulez me montrer le dortoir? Bonjour, papa. Alors, tu as pensé un peu à moi pendant mon absence? Non, pas toujours. Oui, oh, cette fois-ci, tu avais un nouveau cheval pour t'occuper. Ah, tu es une bien meilleure compagnie. Alors, au moins, je ne viens pas en second. Tu sais, je viens de ramener un nouveau maréchal ferrant aujourd'hui. Matthew Cordell, je viens de le voir, oui. Et c'est l'homme le plus grossier et brutal que j'ai jamais vu de ma vie. Mais, tu sais, on n'apprend pas les bonnes manières en prison, Betsy. Oui, je comprends ça, papa, mais... C'est bien parce qu'il a besoin d'autre chose de notre part que d'un travail et d'un simple abri. Il faut le traiter avec douceur, patience et... par-dessus tout avec compréhension. Allez, à mon tour d'essayer. Et de louper. Ah, tu sais, le premier était bon, mais le second, je ne sais pas trop. Hein. Ah, non. Bon, maintenant, voyons ça. Ça fait 20 sous que tu me dois, hein. 20 sous? Eh oui, mon vieux. Presque ma paix d'un jeu. Eh, ne te sautons pas comme ça, on fait la revanche à qui tout double, non? Qui tout double?
Non, merci. Essaie de trouver un autre pigeon. Ah, vous êtes tous des vrais joueurs, je vois ça. Hein? Chic, 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 chic. Allons, voyons approcher. Qui veut tenter la chance? Pas d'amateur? Ah. Hey, tu veux essayer, Cordel? C'est la meilleure façon de piquer 20 sous, tu sais. Non. T'es du genre amical, toi, hein, pas vrai? Il vient de te dire non. Ben, il est arrivé ici il y a une semaine, et depuis, il n'a pas dit 5 mots à qui que ce soit. Et maintenant, il m'envoie au plot. Et je suis pas le seul. Avez-vous déjà joué à ce jeu? Ouais. Si c'est une question de fric, je peux vous avancer un peu d'argent. Pourquoi voudriez-vous me prêter du fric? J'en avance souvent à l'un ou à l'autre, sans raison particulière. Un petit service, c'est bien ça? D'une certaine manière, oui. Oui, mais un service tôt ou tard, il faut le payer. Moins un homme en accepte, et moins il doit en rembourser. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a trébuché dans un terrier, il est tombé. Vous n'avez rien, vous? Oh, moi, j'ai rien, mais regardez sa jambe, elle est toute enflée. Fracassé. Alors, il va aller mieux. Qu'est-ce qu'il a? C'est une crevasse. Qu'est-ce que c'est? Le sabot qui s'est fendu. Et ça peut se guérir? Difficile à dire. C'est possible si on peut empêcher la fissure de s'étendre. Si vous ne pouvez pas. Ça a l'air profond, Betsy. J'ai bien peur qu'on doive l'abattre. À mon avis, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Non! Vous avez vécu avec les chevaux toute votre vie, Betsy. Vous savez que ça arrive quelquefois. Mais vous ne pouvez pas le tuer. Voyons, il doit y avoir un autre moyen, je vous en prie. Il y a une chance. Mais bien mince. Si vous permettez. Voyons, je vous en prie, laissez-le au moins essayer. Si vous pensez pouvoir le sauver, allez-y. Merci. Je vais vous donner un homme pour vous aider. Je peux le faire tout seul. Je vais venir vous aider. J'ai dit que je pouvais le faire seul. Mais il est à moi, j'ai le droit de rester avec lui. D'accord, venez avec moi à la porte. Bien étaler la boue? Oui, bien douce et détrempée sur 20 cm de profondeur. Bien. Oui, il faut au moins ça. Pour protéger son sabot pendant qu'il se refait. Qu'est-ce que vous faites? J'ai fini par trouver la crevasse. Alors, pour bien la protéger, je vais lui forger un fer spécial qui va maintenir le sabot. Et avec le temps, peut-être, ça se fermera. Exactement, comme une coupure à votre doigt. Ça lui fait mal, cette crevasse? Un peu. La boue dans le corral va le soulager. Et passez-moi cette râpe, voulez-vous? Vous ne voulez vraiment pas que je vous aide? Non, merci. Pourquoi avez-vous si peur de vous faire des amis? Jamais je n'ai eu d'amis, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que quand on reste seul, il ne peut plus rien vous arriver de mal. Et j'ai l'intention de vivre de cette façon.
ce que vous avez dit. Quand? Vous avez dit de ce cheval qu'il était à vous. Et rien qu'à vous. Je sais ce que ça veut dire, moi aussi. J'ai eu quelque chose à moi une fois. Et puis, on me l'a enlevé. Quoi? J'étais à l'orphelinat. Une dame est venue pour trouver un enfant adopté. Elle ne m'a pas pris, moi. Mais elle m'avait donné un soldat de plomb. C'est la seule chose que j'ai eue à moi jusqu'à ce qu'un autre gamin vienne me casser. Mais il ne savait donc pas ce que ce soldat représentait pour vous. Pourquoi croyez-vous qu'il l'ait cassé? Combien de temps on saura? Bientôt. N'oubliez pas de mettre beaucoup de boue, hein? Oui, oui. Bon, je vais ranger mes outils. Je vais vous aider. Non. Non, pas besoin de vous. Il faut que vous rentriez chez vous. Mathieu, même s'il ne guérit pas, merci. Avec nous? À la ville? Oui. Ça ne me dit rien. Tu as demandé à Cordel? Oui, je lui ai demandé. Mais il ne veut pas. Pas très amical, c'est qu'il est. Certains de vos camarades vont faire un tour en ville. Vous n'allez pas avec eux? Non, merci. Si c'est une question de pognon, je vous ai déjà proposé. Et moi, je vous ai dit que je ne voulais aucun service. Et vous ne voulez pas les rembourser. Vous n'êtes plus en prison ici, Cordel. Est-ce que vous avez à vous plaindre de mon travail? Non, mais je vis ici en respectant vos règles. Est-ce que vous trouvez que je me tiens mal? Non. Alors j'ai le droit de disposer à mon goût de ma liberté. Il n'y a aucune loi qui m'en empêche. Non, aucune loi. Alors, monsieur, laissez-moi tranquille. Parce que je suis encore prisonnier, vous le savez bien. J'ai 51 semaines à tirer. Laissez-moi les vivre comme je veux. Oui, laissez-moi tout seul. C'est le grand jour? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le sabot a repoussé tout autour, ça va. La question est de savoir si ça tiendra. J'espère. Et le juge aussi. Hier, il est venu me voir dans l'écurie, il m'a posé un tas de questions à propos du cheval et de Cordel. Et de Betsy. Où veux-tu en venir, Steve? Elle a souvent passé beaucoup de temps avec lui. Pas tellement, puisqu'elle a réussi à organiser une réception pour ce soir. Hein, pourquoi? Ah, parce qu'il paraît qu'il y a un anniversaire à fêter. Et c'est mon anniversaire? Oh, j'avais complètement oublié. Ça m'en a tout l'air. Ah, ça c'est chouette. Vraiment, pour vous montrer que je ne vous en veux pas pour tout le boulot que vous me faites faire, je vous invite. Eh bien, merci, j'apprécie beaucoup, Steve. Ah, mais c'est avec plaisir. Patron. Enfin, voyons. Tu as à peine touché à ton petit déjeuner. Ce cheval peut attendre encore 10 minutes. Je sais bien, papa, mais moi, je peux plus attendre. Bonjour. Bonjour. Il est prêt? Plus beau qu'il n'a jamais été. Oui, Mathieu. Dans la grange. Je veux qu'il vienne ici. Mathieu! Mathieu! Quoi? Je vais l'essayer maintenant. J'ai fait ce que j'ai pu, vous n'avez pas besoin de moi. Si, j'ai encore besoin de vous pour surveiller.
doucement et faites le tour de la cour. Attention, s'il hésite encore, ce sont ses premiers pas sur un sol dur. Oui. À vous. À vous. J'ai dit quelque chose de mal. Eh bien, brossez-le bien. Brossez-le des pieds à la tête. Je crois que j'aurais dû te demander avant, mais j'étais en ville et je n'avais pas beaucoup de temps. Mademoiselle Marlowe a passé toute la matinée à l'arranger. Je croyais que tu avais déjà une robe pour ce soir. Oh oui, mais c'était plein de rubans et de fronces. C'était bien trop petite fille. Et celle-ci est bien plus... Oui, bien plus... Mais j'aime les rubans et les fronces au lieu des bien plus... Mais enfin, je ne vais pas danser toute la soirée avec mon père. Betsy, assieds-toi. Papa, je n'ai pas fini. Je voudrais te parler. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bien sérieux. Mais je le suis. Nous avons toujours été, toi et moi, honnêtes l'un envers l'autre. Nous nous sommes dit ce que nous pensions parce que nous nous aimons et que ça doit être ainsi quand on s'aime. Alors, voilà. Je... Je pense qu'on me trouve généralement assez éloquent. Papa, tu veux que je parle pour toi? Tu penses pouvoir le faire? En deux mots, Matthew Cordell. C'est vrai, Matthew Cordell. Betsy, c'est un homme qui est... C'est exactement ce que tu vas me dire. C'est un ancien bagnard, il est renfermé, il a un tempérament très violent. C'est un homme qui ne comprend pas notre façon de vivre et qui n'a en nous aucune confiance parce qu'il n'a jamais eu de raison d'avoir confiance en personne. Tu le connais vraiment bien. Oui, j'ai beaucoup pensé à lui ces jours passés, vois-tu. Et je connais ses bons côtés comme ses mauvais. Je t'affirme qu'il n'est pas si mauvais que ça. Quand il le veut, Matthew peut se montrer très aimable, très amical et gentil. Et quand il ne le veut pas? Alors c'est à ce moment-là qu'il faut que nous lui donnions beaucoup plus qu'un simple travail et un abri. Je te rappelle, le traiter avec douceur, patience et par-dessus tout avec compréhension. Alors maintenant, cessons de bavarder. Je t'aime beaucoup, mais si tu ne me laisses pas finir de m'habiller, on va être en retard tous les deux. Papa, tu es encore mon meilleur ami. Vite la main à la poche, les gars. Notre cadeau pour l'anniversaire de Steve. Chacun doit donner quelque chose. Allez-y. Et qu'est-ce qu'on va lui offrir?
On lui a acheté une magnifique paire de bottes. C'est le juge, mon vieux, qui les a ramenées l'autre jour. Et je lui ai dit, je ne sais pas s'il y aura assez. Il m'a dit, vous ne tourmentez pas s'il n'y a pas assez, je paye la différence. Ben, la différence doit faire une grosse somme. Oui, ben, c'est pas ton problème, crache plutôt ton argent. Hein. Alors, et vous, monsieur Cordel? Vous savez, tout le monde a donné sa part. Dedans, vous avez touché votre paye hier, alors ça ne peut pas vous faire du mal, non? Allez-vous-en, laissez-moi. Vous voulez me donner un coup de main pour me faire partir ou c'est seulement une menace? Cherchez la bagarre, Belden, mais vous ne méritez pas que je retourne en prison pour vous. Alors, tous ont donné? Oui, tous, excepté celui-là, et il n'est pas prêt de donner un sou. Messieurs, les gens de la ville vont être là dans une minute. Soyez prêts à leur souhaiter la bienvenue. Allez-y. Il y a beaucoup de jolies filles qui manquent de cavalier, Belden. Ah, oui, mais moi, je suis exactement le genre d'homme qu'elles aiment. Venez à la réception, tout le monde est invité. J'aime mieux rester là, je suis bien. Est-ce qu'il arrive quelquefois en prison qu'un homme fasse bande à part? Oui. Cela signifie que cet homme refuse d'essayer de s'intégrer ou de s'adapter à la vie de la prison, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Parce que vous ne pensez pas que vous faites bande à part? Monsieur, toute ma vie j'ai fait bande à part et ça ne m'a jamais dérangé. Oui, peut-être était-ce vrai il y a 2 semaines, mais depuis... Je pense la même chose. Qu'allez-vous faire quand vous serez tout à fait libre? Vous serez votre propre maître. Avez-vous l'intention de vivre le restant de votre vie totalement fermé à toute amitié? Je m'occuperai de ça, quand je serai libre. Et peut-être que ce sera très dur. Je vous l'ai dit, je m'en occuperai quand ce sera le moment. Vous feriez bien de vous en occuper un peu maintenant. Sinon, vous allez finir par retourner d'où vous venez. Et vous ne retrouverez pas une seconde chance. Vous imaginez que je vous dois quelque chose parce que vous avez donné l'idée à quelqu'un de me faire sortir de prison. Et vous pensez que je vais regarder le sol chaque fois que vous passez, courber les épaules chaque fois que vous parlez, mais je ne vous dois rien, rien, ni à vous, ni à personne. Pensez ce que vous voulez, M. Cordel. Mais sachez une chose. Les hommes de ce ranch, j'en suis responsable. Ne portez jamais la main sur eux. Bonsoir, mademoiselle Gare. C'est bien. Bonsoir. Vous êtes vraiment ravissante dans cette robe. Ah, merci, évidemment. Vous devez me trouver mieux comme ça qu'en vieux pantalon. Non, pas mieux, mais différente. Une agréable différence. Je remercie mademoiselle Marlowe. C'est elle qui l'a faite pour moi. Je recevrai les autres choses que vous avez commandées la semaine prochaine. Vous avez une maison magnifique, juge. Je l'ai souvent admirée, mais à distance. Je me félicite que vous soyez venue ce soir. Oh, papa, tu sais, puisque c'est la première fois que mademoiselle Marlowe vient d'ici, elle doit faire sa première danse avec toi. Mmh. Souhaitez-vous voir quelqu'un en particulier? Oh, non, je regarde. Oh, regardez à quoi Steve s'amuse avec Anne. Oh. Mathieu ne viendra pas d'ici. Oh, mais tous les autres sont venus. Pourquoi est-il resté tout seul? Il est un peu différent des autres, voilà tout. Qu'est-ce que vous disiez? Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en dites, ça vous plaît? C'est très bien. Oh, voulez-vous boire du punch? Si c'est ce qu'on sert là-bas à la table, je veux bien. Alors venez avec moi. Ravi de vous voir. Vous avez changé d'avis? C'est ici. Servez-vous vous-même. Merci. Alors, est-ce que tu t'amuses bien? Ah oui, maintenant. Mathieu, comment allez-vous? Rita, voici Mathieu Cordel. Rita Marlowe. Je suis ravie de vous voir, Monsieur Cordel. Bonjour. Rita.
Puis-je avoir cette danse? Oh, mais oui, bien sûr. Excusez-nous. Alors, Mathieu, Oh, c'est mon air favori pour danser. Vous dansez avec moi? Je n'ai jamais eu beaucoup l'occasion d'apprendre. Si vous voulez bien, je vais vous montrer, ce n'est pas difficile. Non, merci. J'aime mieux m'asseoir et regarder. Cette mademoiselle Marlowe, elle appartient à quelqu'un? Vous voulez dire qu'elle a un petit ami? Non. Attendez, écoutez-moi. Je vous demande juste une minute, pas plus. Je veux remercier tout le monde d'être venu ici ce soir pour mon anniversaire et j'espère que tous vous vous amusez bien. Et si vous voulez vous donner des coups de poing, je veux pas le savoir. Mais je veux remercier tous les copains qui m'ont offert ces superbes bottes. Vous voyez, à mon avis, il n'y a que deux occasions pour un homme de porter des bottes comme ça. C'est quand il est mort ou qu'il va se marier, je ne sais pas ce qui est le pire. Et par-dessus tout, je veux remercier mademoiselle Betsy Gard d'avoir donné cette fête pour moi. Je vais vous demander une faveur à vous, Betsy, si vous le permettez. Chantez-nous une chanson. Mathieu, si vous le permettez. Ce n'est pas moi qui vous retiens. Faites ce que vous voulez. N'allez pas trop vite. Danser. Je n'aime pas beaucoup danser. Oh, je sais ce que c'est, on ne me demande pas. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'apprendre, c'est tout. Mais voilà une très bonne occasion. Écoutez, on va faire une danse coupée maintenant. Mais pourquoi vous ne m'apprenez pas? Eh bien, faites la même chose qu'eux. Détendez-vous et... Et laissez la musique vous porter toute seule. Et ben voilà, vous y êtes, c'est très bien. Faites place, vous, là. Laissez la demoiselle changer un peu de cavalier, non? Allez-vous-en. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai coupé, moi. On va finir cette danse avec moi. Vous pouvez en trouver une autre. Non. Franck, venez ici, vite.
peut-on le mettre? En haut, dans ma chambre. Conrad, Mike, appelez le docteur. Vous avez voulu tuer cet homme. Je vais vous enfermer jusqu'à ce que je vois s'il est nécessaire d'appeler le shérif. Enfermez-le dans la cellerie, de suite. Je vous verrai dans mon bureau dans quelques minutes. Belden. De la chance, d'une manière ou d'une autre. Une chance de ne pas être blessé, et une chance que ça soit arrivé quand on était là, autrement Cardell l'aurait tué. Oui, je sais. Alors, je pense que j'ai fait une belle erreur en l'amenant ici, vous savez. Nous avons fait une belle erreur. Non. J'avais pris ma décision en partant, et c'est ma décision aussi qui nous a bel et bien amenés où nous en sommes. Tu ne vas pas le renvoyer en prison. Papa, je t'en prie, tu ne peux pas. Il n'avait pas l'intention de faire ça ce soir. Mais il l'a fait. Mais il n'avait pas du tout compris à propos de la danse coupée. Il a perdu son calme. S'il avait fait cela dans une crise de colère, je pourrais lui trouver une excuse. Mais il l'a fait de sang-froid et délibérément. Mais il ignorait ce jeu, je te le répète encore. Il ne le savait absolument pas et tu ne peux pas le renvoyer en prison parce qu'il a fait une erreur. Il n'y a pas que cela, Betsy. Il y a mais aussi... Il y a moi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu veux le renvoyer. Tu veux profiter de ce qui est arrivé ce soir pour avoir l'excuse de le renvoyer. Et parce que tu as peur que je l'aime un peu trop. Et que tu sais bien que je commence à l'aimer. C'est ça la véritable raison qui te pousse à le renvoyer. Papa, je t'en prie, tu ne peux pas le renvoyer en prison pour le restant de ses jours simplement à cause de ça. Ce ne serait pas juste. Vous pensez la même chose qu'elle? Vous avez bien d'autres raisons de le renvoyer sans celle-là. Et ça aussi, ça pèse dans la balance et contre lui. Mais elle a raison en cela. Il a manqué à sa parole. Et je manquerai à mon devoir en passant sur tout ça. Mais j'ai bien un préjugé contre lui, c'est vrai, parce qu'il est trop souvent avec ma fille et que je n'aime pas ça du tout et que je ne l'admettrai ni de vous ni d'aucun autre. Mais si je le renvoie, je serais bien incapable de dire si j'ai fait cela par devoir ou par la peur. Comment va Belden? Il va bien. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Hein. Si, c'est vous. Mais vous ne vouliez pas seulement le frapper, non. Vous vouliez le tuer. C'est de cette façon-là que j'ai appris à me battre. Eh bien, c'est la mauvaise façon. Non, pas d'où je viens. Là-bas, quand on avait mis un gars par terre, il fallait être sûr qu'il irait. Sinon, il vous tombait dessus un autre jour, quand vous aviez le dos tourné. Alors, c'était fini pour vous et je ne voulais pas que ça m'arrive. Je vous ai dit plusieurs fois que nous avions des manières différentes. Vous pouvez quand même essayer de comprendre cela. Je suppose que oui. Ça n'a plus aucune importance, pas. De toute façon, je retourne en prison. Vous restez ici. Mais je veux que vous compreniez bien une chose, et souvenez-vous-en. J'avais demandé votre départ. Je voulais vous renvoyer, moi, en ce qui me concerne.
Et vous avez une seconde chance parce que le juge Gart veut que vous restiez ici. Profitez-en. Et fermez la porte quand vous sortirez. J'avais remarqué que votre bride devait être réparée. Alors je l'ai fait. Voilà. Merci. De rien. J'aime tant que ces minutes qu'on passe comme ça. Ah, rien. Avant d'aller caver au derrière d'une bande de ces sales vaches. Elles pensent la même chose de toi. Salut, belle dame. Qu'est-ce que tu fais par ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais par ici? Eh ben, dans deux jours, je reviendrai figurer sur la feuille de paye. Tu n'en as jamais été enlevé. Alors, je vais aller toucher mon argent. Vas-y doucement. Ouais. Il va essayer. Dire que je m'excuse, ça ne changerait pas grand-chose. Alors, allez-y, tapez comme vous voulez. Mais de quoi veux-tu parler? L'autre soir, je ne vous ai pas laissé beaucoup de chance de vous défendre. Je pensais que vous feriez pareil. Non, c'est pas à cause de ça. Je suis seulement allé me coucher un peu parce que j'étais fatigué. Et je... J'aime pas dépenser mes forces. As-tu encore assez de force pour lancer le fer? Envoyez les enjeux. Cordel et moi, on joue 20 sous si tu veux contre toi et Steve. Vous voulez bien être partenaire avec moi? Vous pouvez dire adieu à votre argent. Venez, Mathieu. Tiens, prends ça. Merci. Voilà pour vous. Et dedans, peut-être que vous voulez tirer une fois ou deux avant pour vous entraîner, non? Non, non, merci. Ça ira comme ça. D'accord, ce sera comme vous voudrez, mais ne pleurez pas quand vous verrez filer votre argent. Ah ah. T'énerve pas, t'énerve pas. Enjeu. Il y avait deux choses qu'on savait faire en prison. La première, c'était espérer, l'autre, jouer au fer. Je suis venue voir Betsy, mais je suis allée à la maison et je ne l'ai pas vue. Elle est allée se promener.
Elle doit rentrer bientôt, je crois bien, si vous voulez l'attendre à la maison. Ça ne vous gênerait pas si je l'attendais ici? Non. Je pensais seulement... Quoi? Rien. Mathieu, on m'a dit beaucoup de bien de vous et aussi de votre travail. Mon travail? Mais aussi de vous. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que je ne vous ai pas vu beaucoup. Après... Je comprends ce qui s'est passé l'autre soir mieux que les autres. Je n'avais pas appris à danser, moi non plus, à l'orphelinat. Vous avez été dans un orphelinat? Jusqu'à près de 20 ans. L'autre soir, à la réception. Oh, c'était il y a bien longtemps. Non, pas pour moi. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Je suis pas comme ça, moi. Vous savez, oui, enfin, je veux dire, je n'ai pas l'habitude. Mais pas parce que je voulais le faire, non, parce que... Oui, enfin, je pensais que je devais le faire. Ça n'a sans doute pas beaucoup de sens pour vous, hein. Oh, ça vous étonnerait beaucoup, le nombre de choses qui arrivent, vous savez, et qui n'ont pas l'air d'avoir de sens, mais qui en ont. Je n'avais jamais de ma vie rencontré quelqu'un comme vous. J'ai pensé la même chose en vous voyant. De ma vie ce soir, tu sais. Pardonne-moi, je n'avais pas fait. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Oh, rien. Voyons, tu avais l'habitude de te confier à moi. J'espère que rien n'a changé, non? Non. Alors, écoute, rappelle-toi que si tu ne veux pas me parler, il n'y aura personne au monde qui voudra t'écouter. Je le sais bien, papa. Bonsoir, Mouchou. Papa. Oh, voyons, oh, voyons, papa. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Oh, je m'en veux, je voulais pas pleurer. C'est vraiment stupide. Oh non, ce n'est pas stupide. C'est seulement une bonne façon pour une femme de montrer ce qu'elle a au fond du cœur, mon petit. C'est pas une femme. Qui t'a mis dans cet état, hein? Mathieu Cordel, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait de la peine? Il ne m'a rien fait. Seulement, c'est un vrai homme, lui. Je crois qu'il ne peut pas aimer une petite fille. Lui, il faut une vraie femme. Je l'aimais vraiment beaucoup, moi. J'avais oublié que j'étais la toute petite Betsigar. Mais tu es bien la plus merveilleuse fille, à mon avis. Tu as un préjugé, tu sais. Que je sois pendu si j'en ai un. Je pensais que j'étais amoureuse de lui. Je veux dire, je n'avais jamais pensé si fort à personne comme ça. Non. Eh bien, mais je pense que tu l'étais. Et c'est très bien. Même si tu as de la peine, il faut aimer. Et savoir souffrir pour l'homme qu'on aime. Et si tu l'as aimé, lui, j'ose espérer que c'est un homme qui en vaut la peine. Je l'aime encore, moi. Oh, je veux dire... Pas de la même façon, non, je l'aime encore bien. Et moi aussi. Et maintenant, il faut te reposer et essayer de t'endormir. Au revoir, papa. À ce point de me voir. Hein? Ma foi, je n'aurais jamais cru que tu sortirais de derrière ces murs. Tiens donc, et pourquoi pas?
Tu l'as bien fait, toi. Et t'as été pour nous un bon exemple. Ils se sont mis à nous donner à quelques-uns un bout d'essai à faire. Monsieur Harris a signé le papier en début de la semaine. Un prisonnier sur parole ne porte pas d'armes. Ah ouais. Seulement moi, j'ai modifié un peu le règlement à ma façon. Et tu crois encore à leur salade à la noix, hein? Eh ben voilà, je suis venu ici pour toi. Je veux de l'argent. La manière que je vais employer est rapide et facile. Et on ramassera un gros paquet. Et ça nous fera un bon bout de temps. Oui, de quoi veux-tu parler? Voilà, il paraît que le type qui habite cette maison est plein d'argent. Il paraît même qu'il y en a dans son coffre. Alors si toi tu me montres où est sa chambre, je vais y aller doucement et je vais le convaincre d'ouvrir son petit coffre. Comme ça, on ne dérangera personne d'autre, hein? Et on prendra soin de lui. Après ça, on filera bien tranquille avant que les autres ne nous rattrapent. C'est pas plus difficile que ça, t'as compris? Hein? Alors, t'es d'accord?
l'homme ici. Allez vite. Vite. Ces hommes qui peuvent venir aussi avec nous pour ça. En est assez. Cordel ne connaît pas la région, il ne sera pas difficile à retrouver. On partira dès que le shérif aura fini d'examiner le cadavre. Il a dû être obligé de se défendre, oui, j'en suis sûre. Pourquoi a-t-il caché le cadavre, alors? Parce qu'il croyait qu'il n'avait aucune chance que toi tu acceptes sa version, et je commence à croire qu'il avait raison. Les hommes sont tous prêts, juge. On attend que le shérif soit sorti de la maison et nous permette de partir. Papa, tu te trompes en lançant tous les hommes après Mathieu. Il a tué un homme. Il aurait aussi bien pu me tuer et emmener mon corps avec l'autre, et tu ne nous aurais jamais retrouvés. Et Mathieu serait encore libre, comme avant, mais il m'a laissé aller. Oui, mais il le faut, Betsy. Je n'ai jamais eu assez d'espace pour m'enfuir. Mais vous vous êtes engagé pour moi et je ne voulais pas courir le risque. Si je dois retourner en prison, j'aime mieux que ce soit vous qui m'y renvoyez. Vous vous rendez compte que vous avez joué avec votre liberté et même avec votre vie. Jusqu'à ce que je vienne ici, j'avais seulement eu une existence. Et vous m'avez donné une vie, vous tous qui êtes là. Ce n'est pas votre faute si j'ai tout gâché. Mais j'ai appris une chose à propos de liberté. Ce qui fait un homme libre, c'est de penser. C'est vous qui avez tué cet homme, n'est-ce pas? Oui. Un de vos amis? Nous étions en prison ensemble. Quand on l'a libéré sur parole, il est venu ici. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait de l'argent. Il venait ici pour voler le juge. Je l'ai frappé. Et alors j'ai commis une faute, oui, quand il a été par terre, j'ai voulu jouer avec vos règles, à vous. Je ne me suis pas acharné à le finir. Je crois que vous aviez oublié de lui apprendre les règles, il a voulu me poignarder. Il est venu vers lui avec un couteau, et il a été forcé de le tuer. Légitime défense. Mais je n'ai que votre parole pour ça. Je pense que sa parole est valable. Il aurait pu tuer ma fille aussi, et il ne l'a pas fait. Ce prisonnier sur parole qui l'a tué, Deck n'était pas un prisonnier sur parole. Il s'était évadé il y a à peu près une semaine, après avoir tué un garde avec un couteau. Je pense que vous nous avez tous sauvés d'un grand danger. Bien sûr, il faudra qu'on fasse une enquête et on vous fera venir. Mais que vous attendiez en prison ou ici à Shiloh, c'est selon l'avis du juge. Vous pouvez garder cette arme pour vous et reprendre votre travail. Un bon maréchal Ferrand est difficile à remplacer. Nous sommes samedi aujourd'hui. C'est mon jour de liberté. Je suppose que vous voulez aller en ville. Oui, il y a une personne que j'aimerais voir. Eh bien, je vous conseille de vous laver avant. Oh, Mathieu, oui. J'aimerais attacher votre arme. Si vous acceptez, bien sûr. Oui, avec grand plaisir.